Méditation du 27 septembre. Il ne faut pas jouer avec ça. Harry Kakavas était un homme d'affaires australien prospère. Il avait fait fortune dans l'immobilier, mais c'était un joueur compulsif endurci. Jouer au casino était son activité favorite, dans laquelle il a d'ailleurs perdu 1,5 milliard de dollars. Oui, vous avez bien lu, 1,5 milliard. Dans une tentative de récupérer une partie de ses pertes, l'homme d'affaires a poursuivi en justice le Crown Casino de Melbourne, alléguant que les directeurs de l'établissement étaient au courant de sa pathologie et qu'ils en avaient profité. L'argument clé de sa défense était que sa dépendance au jeu le plaçait en position défavorable, ce dont le casino avait tiré profit. L'affaire a été portée devant la Cour suprême parce que le juge de première instance a accepté l'accusation. Cependant, les juges auxquels la réclamation a été présentée ont débouté Kakavas. Leur argument clé était qu'un casino n'a pas l'obligation de protéger les joueurs compulsifs d'eux-mêmes et que, par conséquent, M. Kakavas n'était pas dans une position d'infériorité par rapport aux autres. Les juges estimaient qu'Harry était capable de prendre ses propres décisions, comme ne pas aller au casino ou empêcher ce dernier de l'exploiter. En d'autres termes, la Cour suprême a refusé de considérer cet homme comme une victime. Je trouve ce cas intéressant parce qu'il reflète un peu notre relation avec le péché. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes toujours libres de décider quelle attitude adopter face aux tentations. Si nous leur céderons encore et encore, ou si nous comprendrons que nous avons en Dieu une aide puissante et que nous la demanderons afin que peu à peu nous puissions abandonner les habitudes et les comportements qui nous éloignent de l'expérience quotidienne du christianisme. L'autre option serait de nous percevoir comme des victimes et non comme les protagonistes de nos décisions. Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec le péché car le salut n'est pas un jeu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Hébreux 12, des versets 1 à 3. Verset du jour, mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Apocalypse 2, le verset 25, dans la version Parole de vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.